Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Limoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de roulé de poulet, de blanc de poulet farci aux champignons. Alors, pour préparer cette recette, je vais commencer par la, dans un premier temps, de faire revenir un oignon dans le bouillon. Alors, je vais couper un oignon très finement. Je rajoute par-dessus de l'ail. Je vais également des lardons. Ça va être une petite sauce forestière. Et je fais colorer tout ça pendant 3 minutes. Alors je rajoute un peu de champignon hacké. Alors la moitié, je vais la mettre dans la farce et l'autre dans la sauce d'accompagnement. Et je laisse colorer le champignon à feu vif. Je vais piquer, je vais mettre du poivre, je mets du sel, une petite pincée de piment de cellette pour bien relever le goût, et je laisse colorer en remuant de temps en temps jusqu'à coloration et évaporation complète de la sauce. Alors pour farcir les morceaux de poulet, j'ai pris deux escalopes de poulet que je fais chevaucher légèrement pour pouvoir par la suite les transformer en roulés. Alors j'appuie dessus comme ça et je vais les farcir avec la farce préparée. Et là, une fois que je l'ai mis en lamboudin sur l'extrémité inférieure, je vais rouler dessus mes morceaux de poulet comme ça pour le transformer en lamboudin. Alors mon lamboudin, je vais le mettre dans le papier film alimentaire comme ça en le serrant complètement. Je fais comme un ballotin comme ça. Alors je serre sur les côtés en faisant un nœud. Je serre sur l'autre côté en faisant un autre nœud. Et je les mets de côté le temps de faire les autres. Alors dans une marmite d'eau chaude, je vais plonger deux bouillons cubes de poulet ainsi que les petits farcis de poulet, de blanc de poulet, et je les laisse cuire dans l'eau chaude pendant 20 minutes à couvert. Je vais préparer la petite sauce d'accompagnement de mes blancs de poulet farcis. Alors je vais mettre un tout petit peu d'huile, je rajoute par-dessus du beurre fondu. Toujours mélanger l'huile avec le beurre fondu pour éviter qu'elle soit carbonisée. Alors je fais colorer des échalotes, deux échalotes coupées finement. Je mets un tout petit peu d'ail et je laisse colorer tout ça à feu vif. Après la coloration, je rajoute des champignons de Paris émincés finement. Et je les laisse aussi colorer pendant 5 minutes à feu vif. Je vais rajouter alors par-dessus deux louches de bouillon de la marmite qui cuit avec le poulet. Alors je vais saler et poivrer tout ça. Un tout petit peu de poivre. Un peu de sel, pas que le bouillon étant déjà salé, je ne vais pas saler beaucoup. Petite pincée de piment d'Espelette. Et je vais rajouter de la crème semi-épaisse, une crème légère semi-épaisse. Et je laisse tout ça réduire à feu vif jusqu'à obtention d'une sauce d'accompagnement
assez épaisse. Alors, j'oublie pas de mettre la ciboulette pour bien parfumer tout ça. Mon blanc de poulet farci aux champignons et au lardon, il est maintenant prêt. Alors, je les ai servis coupés en petites rondelles avec du riz pilaf ainsi que la petite sauce aux champignons qu'on a préparée ensemble. Alors, j'espère que cette recette facile vous a plu. On se dit, on se retrouve sur la cuisine de Limouchin avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Et à bientôt.